Bonsoir à tous dans ce nouveau tuto de tuto Pratix. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment accélérer son PC. Donc je vous ai pas dit mais j'ai déjà fait un tuto comme ça plusieurs fois. Mais là je le fais avec le microphone comme ça vous me comprenez mieux. Alors pour commencer, on va commencer tout de suite parce que ça prend du temps. Donc vous allez dans démarrer. Ou sinon vous faites la touche Windows et R. Voilà, exécuter donc, ou sinon il est là, ou sinon vous le copiez ici. Donc hop, vous écrivez CMD, voilà, et ici vous écrivez C deux points, entrée, DIR, slash S. Donc là ça fait une chose, ça, on va dire que ça va améliorer les performances de votre PC. Ça va vraiment pas améliorer vraiment votre PC, ça va en fait ça va réparer quelque chose qui ne sont pas par exemple des raccourcis qui sont pas valides et tout ça. Voilà. Donc on va faire autre chose en attendant. Maintenant on va s'occuper pour accélérer internet. Vous êtes dans démarrer. Panneau de configuration, réseau et internet, centre réseau et partage, là modifier les paramètres de la carte, et ici vous regardez ce qui vous concerne votre réseau. Vous cliquez droit dessus, vous cliquez sur propriétés, mettez, alors là, ils vont vous demander une chose d'administrateur, un message d'administrateur. Vous cliquez sur oui. Là, vous allez cliquer sur Internet, protocole Internet version 4. Priorité. Et là, vous changez. Non, rien. Et là, vous mettez utiliser l'adresse du serveur DNS suivante. Vous écrivez 4444 et là 4488. Alors moi j'en ai pas besoin donc je vais pas le faire. Alors oui, vous pouvez juste après ça vous mettez valider, vous mettez ok, valider ok, et ensuite vous désactivez votre wifi et vous réactivez. Voilà. Que ce soit Wi-Fi ou pas Wi-Fi, hein, donc moi je vais pas le faire. Hein. Ensuite, on va s'occuper du démarrage de votre ordinateur pour qu'il s'accélère un peu plus. Vous allez dans la configuration du système, vous écrivez là configuration. Voilà. Il est là, c'est la même chose. Donc ici, alors il faut bien suivre, faut pas faire d'erreur. Si vous faites des erreurs, ben tant pis pour vous. Non, je rigole. Alors, là, vous touchez à rien. Dans démarrer. Alors, ça dépend combien vous voulez de temps que le signe de votre Windows, quand vous allumez votre PC, ça met la marque de votre PC et juste après il y a mince. Et juste après, il y a une chose qui vous dit démarrage de Windows, par exemple. Des choses comme ça. Et ça, combien de temps vous voulez que ça apparaisse? Donc moi, j'ai mis 10 secondes. Vous pouvez laisser comme ça à 30 secondes, mais si vous êtes pressé, par exemple, si vous voulez aller au collège juste après, donc 10 secondes, c'est très bien. Moins, on peut pas. Donc n'essayez pas de faire une seconde ou des choses comme ça. Vous cliquez sur options avancées. Donc là, c'est pour que ce soit l'ordinateur qui aille plus vite. Ah non, c'est aussi le démarrage de votre PC, pour qu'il aille plus vite. Alors là, vous pouvez choisir, soit 2 ou 1. Moi, je vais laisser à 1, parce que moi, ça le fait automatiquement, en fait. Mais vous pouvez choisir le deuxième. Voilà. Si votre ordinateur est lent, vous choisissez le deuxième.
Ensuite, pour accélérer le démarrage, c'est-à-dire que quand votre bureau s'affiche, que vous pouvez cliquer sur n'importe quoi pour que ça aille plus vite. Alors, donc là, vous cliquez sur ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai décoché beaucoup de choses qui se démarrent au démarrage. Donc, voilà, j'ai beaucoup décoché. Là, je vais décocher Windows Live qui prend beaucoup de temps parce que moi, j'ai pas trop envie qu'il se mette au démarrage. Bon, parce que moi, j'y vais pas souvent sur Windows Live, sur MSN. Donc voilà, donc là vous choisissez ce que vous voulez qui ne soit pas au démarrage. Je préfère vous dire, c'est pas un truc forcément que vous voyez. C'est pas un truc que vous voyez forcément. Il y a des choses. Par exemple, uTorrent, ça se démarre automatiquement au démarrage. Mais moi je ne le vois pas. Donc j'ai décoché pour que. Voilà. Ensuite, les services. Hein. Bon, ça c'est votre choix. Ça va pas accélérer votre démarrage. D'accord? Et voilà, donc je vais annuler parce que je ne vais pas. Vous mettrez appliquer OK, vous redémarrez votre PC. On en est à là. Ensuite, vous mettez exit. Voilà. Donc voilà, donc c'est le. Alors, il y a d'autres façons de faire ça avec son PC. D'autres façons comme c'est Cleaner, Clarity Utilities. Alors vous me demandez si vous voulez que je fasse un tuto dessus. Là j'ai fait un tuto sur comment accélérer son PC sans téléchargement comme indique le titre. Mais ne vous en faites pas, vous me demandez si vous voulez que je fasse un tuto sur CCleaner et Clarity Utilities. Parce qu'il n'y a aucun problème, je l'ai. Je sais pas d'ailleurs où il est. Bon, il est là, Clarity Utilities, et c'est CCleaner, j'ai mis là. Voilà, donc c'est ce tuto de tuto pratique. Et des likes en bas de la page, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée. Merci, au revoir.